Et merci à Smashu, Sumashu, mon poteau, ce opening de qualité. Alors, il l'a pas fait pour moi, hein, il l'a fait pour lui sur sa chaîne, mais je lui ai dit, vas-y, je te la pique. Il a dit, ok, frère. Bienvenue à tous sur le stream 3.0. 1, 2, 3.0, j'ai envie de vous dire. Ah, voilà, ça fait... Oh, putain, vous imaginez pas à quel point je suis bien, là. J'ai passé, littéralement, 48 heures à stresser. J'ai reçu le jeu il y a une demi-heure. Je n'ai pas encore lancé un seul match. Mais là, je suis là. Là, je suis là. Est-ce que vous êtes chaud? Alors, bienvenue à tous, du coup, sur ce live exceptionnel Super Smash Bros. Ultimate pendant 12 heures. Il est midi. Je m'arrête à minuit. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et vous voyez ce merveilleux nouveau layout. Comme je vous disais, le stream 3.0. Merci beaucoup à Kerry pour ce layout extraordinaire. Et voilà. Nous sommes sur Smash Bros. Putain, j'ai tellement hâte. Alors, bonjour, je l'ai dit, bienvenue. On va commencer par le mode esprit, le mode solo, histoire de, histoire tout simplement de d'y aller direct dans le vif du sujet. Et bonjour, vous inquiétez pas, aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup de surprises. Salut à ceux qui nous rejoignent depuis tout à l'heure. Merci à vous d'être aussi nombreux déjà dès le début. On en a des choses à faire. Hein. Vers 14h30, 15h, on va faire un tournage avec Need Backup. Avec Materia et LX pour une vidéo sur Smash Bros. Qu'ils vont faire sur leur chaîne. On va faire d'autres choses, je vais certainement jouer avec des potos pendant la journée s'ils sont dispo, parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent ou qui n'ont pas le jeu, les pauvres. Dédicace à tous les gilets jaunes qui ont qui ont empêché les camions de livraison. Je suis désolé. Des gros bisous à ceux qui n'auront pas le jeu avant Noël ou même plus tard à cause des partiels ou des trucs comme ça. Force à vous. Je pense à vous. Des gros bisous tout le monde. Et on commence tout de suite. Let's go, aventure, allez. Alors, faut savoir que je n'ai littéralement jamais joué au jeu, même pas encore lancé un match. Je suis chaud comme la braise. Putain, il y a des slots, incroyable. En mode facile, normal, difficile. Les adversaires sont particulièrement coriaces. Vous savez quoi? Je suis un homme de challenge. Un homme de challenge, c'est Smash Bros, au bout d'un moment, faut arrêter de se prendre pour un... Bonjour, faut-elle me prendre pour un con? Je suis sur Smash Bros, quoi. C'est Yarnel. Let's go. Let's go. Bonjour à tous, je suis Steve. Salut Steve. Ah, la cinématique qu'on connaît tous. Bonjour à tous, je suis Steve. Salut. Bon, on la connaît, mais je vais pas la passer. Hein. Ah, c'est mort, je la passe pas. Parce que là, je la vois en HD, en 4K, les gars. Enfin, pas en 4K, mais je suis sur un écran 4K, quand même. C'est parti, merci, Cobsby. Oula, dur. Cobsby. Merci. Ah merde, il y a du texte en bas. À la tête d'une armée de créamins qui les recherche à quoi? Merde. Tous les combattants et leurs innombrables histoires. Disparurent. Quand la lumière consume à tout. C'est toi, Zadus. Adieu, Link. Adieu, Samus. Adieu, Zelda. Adieu, Mewtwo. Adieu, tout le monde. Oh, le pauvre Sonic qui voulait sauver Pikachu. Ils sont tous morts. De toute façon, le jeu est un peu bas par rapport aux annonces. Je vais laisser ça. Vous avez raison. Merci. Vous espérez... Snake dans son carton. Aïe aïe aïe. Eh, ça aurait pu marcher en vrai. Hein. Ça veut quand même dire que c'est auto-guidé, hein, la lumière, c'est de la triche. Killer, il hack le jeu. Allez Kirby, on sait tous que tu vas survivre. Du coup, eh, en vrai, c'est beaucoup de plaisir pour moi qu'on commence avec Kirby. Parce que ça a beaucoup de signification, c'est littéralement mon premier main de toute l'histoire de Smash Bros. Lorsque j'ai découvert Super Smash Bros, c'était sur Nintendo 64. Bonjour et bienvenue. Mais lorsque je suis tombé amoureux de Smash Bros, c'était sur Melee. Ainsi l'univers tomba sous le joug de la lumière. Elle avait dévoré ceux qui s'étaient opposés à elle. Quant aux autres, ils perdirent leur corps et devinrent des esprits. Et ouais, comme je vous disais, ouais, Kirby, c'est le premier personnage que j'ai main sur Melee.
Je connaissais même pas Kirby à l'époque. Je connaissais rien de Nintendo quand j'ai découvert Melee. Je connaissais juste Yoshi et Mario. Mais il y a eu un survivant. Et c'est Kirby. Une lueur d'espoir scintillait encore dans l'aube de ce nouveau monde. Il est beau ce nouveau monde. Moi je vois bien des nouveaux mondes comme ça tous les jours. Oh là là. La lueur du monde. Et donc nous y sommes. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous ceux qui suivent depuis tout à l'heure. Je vais pas faire ça à chaque fois sinon je vais choper un torticolis. Et donc c'est comme ça, les esprits, regardez. Mario. Mario qui se prend une golden shower. Les enfants, si vous ne savez pas ce qu'est une golden shower, ne cherchez pas. C'est une douche d'or. Ça veut juste dire douche dorée, donc il se prend une douche d'or dessus. Tout va bien. Et voilà, le méchant Mario, possédé par un esprit, qui l'a recopié les combattants vaincus pour créer des pantins à leur image. Salaud. Puis força les esprits capturés à les contrôler. Putain, Dark Mario. En vrai, l'armée de pantins ainsi créée se répandit sur ce qu'il restait du monde. Nice. Sera-t-il possible de libérer les esprits de l'emprise de Killer? Y a-t-il encore un espoir pour les combattants vaincus? Putain, je veux qu'on ait un skin de tous les personnages comme ça dans le jeu. Hein. Nintendo, s'il vous plaît, faites ça. Le combat contre Killer ne faisait que commencer. C'est pas le scénar de Dragon Ball FighterZ, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Alors, oh, je découvre vraiment totalement... Je me suis totalement interdit de regarder quoi que ce soit sur le mode aventure. Donc je vais vraiment découvrir et je suis tellement heureux. Je trouve ça tellement mieux que de regarder tout. Alors, je sais que je suis en train de faire un stream et que vous regardez tout avant, pour certains en tout cas. Mais pour moi, pour une expérience de stream, j'ai vraiment trouvé ça tellement mieux de faire ça. Bonjour à tous. Une carte dans Smash Bros, incroyable. Ah, par contre, c'est l'Exozone. Par contre, on croit qu'on peut avancer comme on veut, mais pas du tout. Hein. Là, je peux avancer que dans cet angle-là. Ah oui, d'accord. J'ai juste appuyé sur bas depuis tout à l'heure. Un Molosco fumant, je sais même pas ce que c'est un Molosco. C'est pas dans Zelda, ça, me semble-t-il. Les esprits sont des êtres dont le corps a été volé par Killer, le maître de la lumière. Ils sont désormais sous son contrôle, leur conscience piégée dans les copies de combattants. Lorsque vous combattez la copie d'un combattant, vous secourez par la même occasion l'esprit qui y a été prisonnier. Essayez de secourir un maximum d'esprits. Les esprits primaires influent sur l'attaque et la défense pour renforcer vos combattants. C'est sur eux qu'il faut miser. D'accord. Ah bonjour. Donc on y va, hein. Ah non, Molosco fumant, c'est pas dans Zelda. Pikmin, pardon. Ah, Pikmin, j'ai jamais joué. Je suis vraiment gros fan de Smash, mais je ne connais pas tout. Alors, j'ai Scarbrut. Ok. Il a quoi, Scarbrut? Il s'en bat les couilles, il fait rien. Il est juste là. J'ai pas... Ok, bah je vais me faire foutre. C'est pas grave, j'ai Scarbrut, déjà c'est pas mal. Hein. Allez, on y va, let's go. On y va, on commence direct le premier combat. Alors, c'est la toute première fois que je fais un combat, vraiment. J'ai juste testé si la manette marchait tout à l'heure. J'ai même pas fait le combat jusqu'en entier, jusqu'au bout. Incroyable. Oh putain, c'est si beau. C'est si beau. Salaud. Ah oui, d'accord. Ah, donc il se transforme en métal, ok. Ah, pardon, je croyais que je tombais. Alors, je suis en mode difficile, attention. Boum. Ouf. Ok, on va voir. Oh, ça fait tellement bizarre. Ça fait tellement chelou de jouer à Smash comme ça. Oh, c'est tellement le plaisir. Alors, va me falloir un gros temps d'adaptation, je le sens. Hein. Oh, le bâtard. Allez, casse-toi. Victoire. Et donc, j'obtiens Molosco fumant. D'accord. Soutien novice. Je suppose qu'il transforme en métal, du coup. Ça m'intéresse pas trop, hein. Attends, c'est un route niveau 8 direct. Nice. Il joue la GameCube, oui. Je joue la manette GameCube. Moi, je suis un mec de Melee, hein, vraiment. Vraiment, moi, depuis Melee, je ne peux pas... Après, je pourrais jouer avec autre chose, mais étant donné que je l'ai, autant en profiter. Ok, j'obtiens les trucs, je sais pas trop ce que c'est, mais let's go. Hein. Ah oui, c'est pour le mode l'espèce de gachapon, là. Un truc que je vais certainement pas faire en live. Les esprits que vous sauvez se joignent à vous. Chaque esprit est différent et peut vous aider à sa façon. Si un esprit primaire dispose d'une case libre, vous pouvez lui associer un esprit de soutien. Les esprits de soutien disposent de talents spéciaux, n'hésitez pas à tous les expérimenter. D'accord.
Putain. Ah, ça, c'est tellement une claque visuelle, là, d'un coup. Parce que moi, la dernière fois, j'ai joué à Smash Wii U, il y a quoi, il y a une semaine. Tout simplement, c'est tellement un plaisir. Merci beaucoup, bon Scott. Merci. La joie se lit sur ton visage. Ah bah, tu te rends bien compte que je suis malade comme un chien, mais que j'ai fait un feu kit général pour pouvoir être là. T'as de la chance, je t'aime bien. Bah merci beaucoup, ça fait plaisir. J'espère que tu passeras un bon moment à nos côtés. J'espère que vous passerez un bon moment de manière générale. Alors, qu'est-ce que c'est cette fois ? Seuls certains Pokémon peuvent sortir les Pokéballs, des renforts arrivent durant le combat. Je suis Steve. D'accord. Bah, on va... Ah ouais, ok, j'ai... Oh, c'est pas grave. C'est le Pumpkin. Alors, c'est parti. On va se battre contre Yoshi, attention. Hein. Attention, Yoshi. Yoshi en Evoli. Ça va être un combat Pokémon avec Yoshi. Ah d'accord, il y a des Pokéballs, le bâtard ! Oh, le bâtard ! Ah mais il est tout petit. J'ai pas vu, il est tout petit. Allez. Ah, ils savent se protéger, hein. On est en difficile, je le rappelle, donc ils sont un peu moins cons que la... Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, ils flottent avec leur queue, d'accord. Et hop, c'est pour moi, ça. Oh, les bâtards. Casse-toi. Bonjour à tous, je suis Steve. Allez, ça dégage. Quoi? Ah, je me suis pris ma propre mine, connard. Putain, ça fait tellement chelou. Oh, je comprends mieux pourquoi il y a les gens qui ont l'air de mal jouer au début, hein. Parce que le temps d'adaptation visuelle au jeu, quand t'es habitué à Brawl, ça fait bizarre, hein. Ok. Putain, les yeux rouges de Yoshi. On dirait, vous savez, le gros Yoshi Xampi dans Mario & Luigi 3, si je ne m'abuse. Non, 2. On dirait un peu ça. C'est assez marrant. Alors, Evoli, du coup. Très bien, bravo, Evoli. C'est un esprit primaire ou c'est un petit esprit, lui? Aucune idée. En tout cas, on est bien avec ce Scarbrut, hein. On se met à l'aise. Spoil, mais au certain... Alors, évitez le spoil sur le chat. Si, vraiment, évitez totalement le spoil, vous risquez de vous faire... time out ou bannir, donc faites attention à ça. Parce que vraiment, je ne tiens pas à être spoilé. Spoilez-moi si jamais je vous le demande. Si jamais, à un moment, je demande une information, là, vous pouvez me spoiler, effectivement. On va essayer de garder une formation très simple au début, parce que ce que j'ai compris, plus on est vanilla, plus on gagne des points, je sais pas quoi, donc si on peut débloquer les trucs plus rapidement, let's go, quoi. Mais du coup, on va débloquer Rondoudou, là, si jamais je l'abats ? Ce serait pas mal, en vrai, hein. L'adversaire privilégie les attaques spéciales bas. D'accord. Pourquoi ? À qui profite The Business ? Hop. Oh. Bonjour et bienvenue. Putain, elle fait trop peur, comme ça ! Oh, c'est génial. Oh, putain, elle me fait une super attaque, carrément. Super shield, pardon. Bonjour. Allez, tu vas te casser. Bienvenue. Putain, la musique, elle est tellement de shield, c'est pas un combat, ça. Allez, hop. Allez, hop, victoire parfaite, mon pote. Spoil, il y a Mario. Mais non, mais pourquoi vous me dites ça? Moi, je savais pas. J'ai beaucoup de talent, regardez. Hein. Beaucoup de talent, le jeu le dit lui-même. Let's go. Ah oui, elle voulait rester. C'est ça qu'elle voulait faire, c'est vrai. Elle voulait faire son attaque repos. Ah bah, je lui ai pas laissé le temps. Hein. Hors de question. Et Kenny? C'est quoi, hein? Oh, Mario! On va débloquer Mario, incroyable! Mais on l'a déjà. Alors après, Mario, c'est mon main, c'est mon nouveau main, donc let's go. Enfin, c'est pas mon nouveau main, c'est mon ancien main depuis quelques années. Les combattants ont servi à produire des copies d'eux-mêmes. En libérant les combattants originaux, vous en ferez des alliés. Eh bah, avec plaisir, mon pote, hein. Et sur Destination Finale, en plus, mais quel plaisir. Ce terrain qui est si beau. Bon, on va voir ce que tu veux, Mario, attention, hein. Je joue en mode difficile, mais j'ai pas me laisser faire, hein. Hop, 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 hop. Ok. Essaye donc. Je vais pas me laisser faire, mon pote. Pas par un ordi, attends. Vas-y, viens. Mais il est con comme un balin. Comme un balin. Mario fait son entrée, incroyable. Incroyable, on avait bloqué Mario dans un jeu Nintendo. Ok. Ah putain, je peux changer de combattant maintenant. Oh yes. Ah, je vous avoue que j'ai envie de prendre Mario. Hein. Je vous avoue que j'ai très envie de prendre Mario. Ah oui, quel plaisir. Alors, comment qu'on fait? X. X. Allô? Oui. Combattant... Mario. Ah oui, c'est le selection screen le plus incroyable du monde. Imaginez Smash Bros avec que Mario et Kirby. Attendez, on peut changer sa couleur ou pas? Je peux pas changer sa couleur. Ah si. Oh, oui! Oh, j'hésite tellement, mon cœur balance. Mon cœur balance mille fois.
Ouais, non, mais le Mario en tenue de mariage, bien sûr. Oh, mais qu'est-ce que c'est bon, je suis tellement heureux. Je suis tellement heureux de jouer à ce jeu, putain. Des gros bisous au chat, hein. J'essaie de lire de temps en temps, mais j'avoue que c'est pas facile. Scarbrut, on t'aime bien, Scarbrut. Qu'est-ce qu'on a, sinon? Attraction d'objets, attire les objets proches vers vous. Oh, bah pourquoi pas, ça peut être sympa. Let's go. Lui, par contre, me transforme en métal. Quand on l'attaque, il déploie ses pics. C'est pas du tout ça. Ça ne transforme pas du tout en métal. Tout simplement, bah, inouï. Merci, Valouche. Désolé de déranger Mayu et oublier ma petite épée, visage souriant. Quoi? Ah, tu l'as pas? Bah alors, Valouche. Merde. Désolé, Valouche. Oui, Valouche qui est bon. Hein. Merde, je peux que t'offrir un abonnement. Comment je fais pour te mettre modo? Bonjour. Attendez, à comment tous, on fait? Je suis Steve. Je vais y arriver, je te jure. Voilà, c'est bon Valouche. Scarbrut, ouais. Bravo Scarbrut. Ah oui, non, d'accord. Ah non. Bon bah, il s'appelle Scarbu. Let's go. Putain, Valouche, obligé de me donner de l'argent pour devenir modo, regardez. Arbre des talents, mais on verra plus tard. Hein. Quoique, en vrai, ce serait peut-être pas mal que je regarde un jour. Hein. Bon, si jamais à un moment on est dans la merde, on fera ça. Rob XXL. Ah oui, c'est le gardien. Ah oui, d'accord, il va jouer les gardiens dans Legend of Zelda. Ah, incroyable. Dans Breath of the Wild. C'est fou, ce gardien, la première fois que tu les vois, t'es en PLS. Hein. Première fois que tu les rencontres, tu dis ah, bah, sympa. Et puis tu te fais enculer en un laser. L'adversaire bénéficie d'une super protection, un smash endurance. Oh là. Ah, c'est un smash endurance! Salaud. Ah oui, et du coup ça joue en vie, effectivement. Vas-y, prends-toi les pics comme un gros con. Bonjour et bienvenue. Bâtard. Ah mais oui, il a une super armure, ce bâtard. Oh, c'est dégueulasse, ça. C'est un énorme avantage. Ah, il faut que je l'encule avec des smash très vite. Très vite des smash. Bâtard. Oh, le bâtard. Ah ouais, mais en fait, j'avais pas compris qu'il avait une grosse super armure de bâtard. Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bon, je rappelle qu'on est en mode difficile. Bonjour. Je suppose que je vais certainement galérer beaucoup de fois. Mais en même temps, c'est un petit peu à beauté du jeu. Bon, faut que j'arrête de faire ça dès le départ, déjà. J'essaie d'esquiver ses attaques, mais chaud. Salaud. Putain, il était tellement fort. Voilà. Oh, des smash, ça suffit, hein, c'est ce qui enlève le plus de pourcentage. Allez, let's go. Bonjour à tous, je suis Steve. Le mieux contre Rob, c'est le chop. Ah, j'avais pas pensé à le choper. Je pensais pas qu'on pouvait le choper, mais ok. Ah, du coup, on a le gardien, attention. Attends, si le gardien, ça nous donne une super armure, c'est abusé. Je suis Steve. C'est le Galakin. Salut à tous ceux qui nous rejoignent depuis tout à l'heure. Désolé, je peux pas tous vous lire, parce que sinon, je joue pas au jeu et je me fais un torticolis. Hein. Parce que là, c'est le jeu, là, c'est vous. Donc, je vais me niquer, hein. Je me niquais à la colonne. Il y a un combattant à chaque extrémité de l'intersection. Choisissez bien celui que vous voulez sauver en premier. Ah, parce qu'on peut choisir... Ah, on peut en sauver qu'un. Mars. Oula. On va partir sur un villageois. Parce que le villageois, il peut absorber les... Il peut absorber les boules, les gens. Et ça, c'est pas mal d'absorber les boules, les gens. Il existe 4 types d'esprits primaires. Attaque, défense, saisie et neutre. C'est gentil. Merci Zelakman pour le sub. Merci pour le soutien, c'est plaisir. Attaque, défense, défense, là, là. Les trois premiers entretiennent le rapport de force suivant. Défense, attaque, saisie. Ah oui d'accord, il y a les types, oh là là, quelle horreur. Bah ça va, on est du même type, donc c'est plutôt... plutôt yimbe. Bonjour à tous, je suis Steve. Ah mon Scarabrut, il est pas mal, hein. C'est le port de manière main. Non, mais on va garder Scarabrut, il est sympa. Par contre, Unira, du coup, il fait quoi? Donc, ça, j'ai un... Résistance aux armes. Ah oui, d'accord, c'est pas la... En fait, c'est pas la même chose que l'effet qu'il donne aux gens. Très bien. Eh bien, let's go. Let's go, villageois. Alors, villageois, du coup, sur lequel je vais peut-être éviter de faire les boules de feu. Sinon, il va me casser les couilles. Tellement de références dans chacun des thèmes de combat, c'est ouf. Ah non, mais... Il y a beaucoup de références partout. Ah mais oui, il aurait pu me piquer ça, d'ailleurs. Allez, casse-toi. Ah, ok.
La physique du jeu fait tellement plaisir. C'est vraiment un poil... c'est vraiment un poil plus rapide que Smash 4. Et merde. Du coup, il faut s'y adapter. Merde. Allez, casse-toi. Ah oui, c'est vrai, ça. Putain, c'est vrai que ces saloperies, elles ont... Non ! Défaite. Défaite. Allez, ça peut arriver, hein. Ok. J'avais oublié que les tirs de ce truc-là avaient un temps de latence. Du coup, je me suis bien fait baiser. Je joue quasiment jamais avec les objets, donc du coup... Bon, cette fois, ce sera pas la même villageoire. Hein. Allez, salaud. C'est tellement bizarre. Putain, vraiment, il va falloir une semaine d'adaptation pour pouvoir jouer correctement, ça va être terrible. Allez! Oh, le plaisir! Oh, le plaisir! Elle est pour toi. Allez, villageois, reviens, reviens parmi nous. Zbrr. Où est passée la force? Mais la force est là. Elle est totalement là, ben, calme-toi. Et tu sais que c'est un nouveau jeu, hein. T'inquiète pas, quand vous aurez le jeu dans les mains, vous allez mettre une semaine à bien jouer vous aussi, hein. C'est normal. Utilisez les sphères de talent pour débloquer différentes capacités. Oui, c'est bien ce que je pensais, qu'il fallait que je fasse ça. Pour cela, commencez par sélectionner Arbre des Talents. Oui. J'y penserai, hein. J'y penserai, là, je suis un petit peu occupé à avancer dans le jeu. The Blue. Oh, bâtard. Ah oui, donc, on peut plus passer, d'accord. C'est pour ça que je vous ai dit de faire attention. Bah du coup, si tu peux faire ça depuis le début, créer un main, bah t'as eu qu'à le faire sur la première route, et comme ça, je pouvais pas sauver le monde, hein. Trombone. C'est dans quoi, ça? C'est une référence à quoi? Je crois que je connais pas, ou alors c'est peut-être... je sais pas. Bonjour à tous, je suis... Je ne connais pas tout, hein. Ah oui, alors, il faut que je fasse quand même le sphérié. Salut, Espiote d'Omniscuit. Vous avez des pseudos compliqués, en plus, hein. Alors, Arbre les Talents. Bonjour, et bienvenue... Mario a un incroyable talent. Salut, Jack. Attaque puissante. Augmente un peu la puissance des attaques puissantes, ou des smash, quoi. Attaque standard, augmente un peu la puissance des attaques normales standard. D'accord. Bon, le mieux, ce serait de voir le sphérié en entier, mais est-ce que j'ai vraiment envie de me faire chier, ça? On a quoi, là? Saut supplémentaire, encore un saut dans les airs supplémentaire. Mille fois, hein. On passe mille fois par cette route-là, hein. Moi, un saut supplémentaire, j'y vais direct, hein. Allez, let's go. Je pense qu'on restait sur Mario une grosse partie du temps, par contre, hein. Allez, trombone, je sais pas qui t'es, mais... Ah, Megaman! Ah bah, c'est pour ça que je connais pas. Forcément. À part Megaman et 2-3 persos vraiment normaux de Megaman, je les connais vraiment pas. Un combat sans fioritures, choisissez votre meilleure équipe d'esprit. Ah, c'est juste... sans fioritures. Je l'ai vu, le robe derrière, fois de robe, hein. D'où y a pas de fioritures, me prends pas pour un con. Salut, Alter Hero. Et je peux rien m'équiper de mieux, du coup? Attraction d'objets, je m'en fous un peu, en vrai. Résistance aux armes. Alors, on va garder ça. J'ai pas besoin du reste de ce que j'avais. Salut à tous ceux qui rejoignent. Allez, let's go! Allez, vas-y, Wendy. Oh là là, mais ils sont trois, c'est dégueulasse. Ah oui, d'accord, ils sont trois, mais ils sont nuls, les robes. Allez, hop, casse-toi. Tu m'auras pas avec tes conneries, hein. C'est quoi cette map? Allez, casse-toi, Rob. Bonjour et bienvenue. Hop là! Bonjour à tous, ouf. Je suis Steve. Heureusement que j'ai fait un smash en même temps. Tu vas te casser, oui? Oh, bien joué, la super armure. Ça, d'ailleurs, c'est un truc qu'il va falloir que j'apprenne, moi. Aïe, aïe, aïe. Merde. Mais alors?
Casse-toi. Oh non. Allez, c'est pas grave, ça suffira aussi. Blu. T'as vu l'annonce du premier DLC de Smash? Oui, bien sûr. Et je suis très très content. Je vais pas dire qui c'est pour les gens qui veulent pas forcément se faire spoiler. C'est Jean-Claude Van Damme. Mais je suis très très content parce que ça veut dire qu'on peut vraiment s'attendre à tout et n'importe quoi. Et ça, ça fait trop plaisir. Parce que on avait encore un petit peu les pétoches de dire est-ce que ça va juste être des échos. Mais non, là, pas du tout. Le jeu ne se fout pas de notre gueule. Et ça, c'est cool. Vraiment, ça couraille toujours, toujours là-haut. Faut savoir que j'ai jamais joué la licence de ce personnage, quasiment. Mais je suis trop heureux qu'il soit dedans parce que... je sais qu'on va avoir des bonnes musiques, un beau terrain, et que le personnage va être fun, quoi. On, c'est obligé qu'on s'amuse. Octaling, ah putain! Je vais me battre contre un personnage de Splatoon! Pour la première fois de ma vie. Ah, je suis en supériorité de force, parce qu'elle est de type défense. D'accord. Un smash endurance, réutiliser les PV de l'adversaire à zéro, l'adversaire privilégie les attaques spéciales standards. Ah, c'est bien beau, mais je connais pas les attaques spéciales standards de Splatoon. Je crois que c'est juste qu'elle va me recouvrir de peinture, en fait. Bah, je crois que j'ai un truc résistance aux armes, donc c'est bien, non? Allez, let's go, on va voir. On va voir ce qui se passe. Allez, let's go. Avec une petite musique de stress, sympa, hein. Oh, putain, ils sont 1000! Je suis où? Je sais même pas où je suis. Foutez-moi la paix! Oh, les bâtards! Oh les bâtards, quelle horreur! Allez, casse-toi, toi. Casse-toi! Toi aussi, tu te casses! Je ne vous aime pas! Je joue pas à ce plateau de moi. Allez, hop! Ça dégage. Ça dégage, les Splatoon, là. Merci pour tout. Alors, Inkling, primaire, pro... elle a l'air pas mal, en vrai, déjà. Hein. Niveau 1, elle est déjà vachement puissante, on dirait, hein. Peut-être passer là-dessus, hein. Parce que Scarabrut, il était sympa, mais sinon, à côté, sinon, il était pas ouf, quoi. Depuis son évolution, il a pas l'air d'être devenu très très fort. Si elle te tape, mais que tu as de la peinture, ça lui prend plus de dégâts, oui, je sais. Ça, je suis au courant de cette pratique. Alors, gestion des esprits, ouais, on va voir. Comment ça, libérer? C'est-à-dire quoi, ça? J'ai reçu un message. Ça va. Améliorer. Voyons voir. Ah oui, d'accord, c'est pour donner à manger. Oh là, ouf. Regardez, Scarabrut, il est niveau 43, il a 1600. Inkling, elle est niveau 1, elle a déjà 1100, c'est déjà pas mal. Par contre, elle a qu'une seule case. Ah, elle a 3 cases. En vrai, elle a l'air pas mal, un trombone. Hein. En plus, elle est type puissance... ah non, pas du tout. Non, elle est type... type shop, non? Type prise, un truc comme ça. Je sais plus comment ils l'ont appelé, ce type. Bon, elle est 2 étoiles. Bon, on va prendre trombone, parce qu'elle est, elle est trop bonne, lol. XD. Merci à tous. Améliorer avec un Anka, oui, j'y penserai. Un Anka pour les gros. Ah oui, d'accord. Oh, on peut tricher de ouf. Vas-y, mange, t'es mort. Un plaisir. Allez, on arrête de tricher, ça suffit. On verra plus tard lorsqu'on obtiendra un autre esprit encore plus, plus stylé. Mais du coup, comment je fais? Bon, je vais au prochain combat. Putain, on est sur la carte de Mario Kart, c'est trop stylé en vrai. C'est trop con, mais c'est trop stylé. J'aime trop ce jeu, putain. Je suis tellement heureux. Oh, vous imaginez pas combien de temps j'ai attendu, hein. Putain, ah non, Bayonetta par contre, hein. Bayonetta, c'est non. Au secours. Allez, reviens là, toi. Du coup, on peut garder ça et on peut se donner... ouais, allez. Comme ça, on a une boule de pique au début, c'est sympa. Un smash endurance, encore ! Réduisez les PV de l'adversaire à zéro, l'attaque de l'adversaire est renforcée. Quand l'adversaire est mal en point, l'adversaire privilégie les attaques spéciales côté. Oh non, chiant de ouf. Oh là là, je vais me faire chier. L'adversaire est un type qui lui donne l'avantage, relevez le défi. Moi, je suis un fou, moi. Je suis un fou. Je prends le défi. Allez, c'est parti contre Jury de Street Fighter, du coup. Ça, je connais. Tiens, mange. Viens là. Vas-y, hein, viens. Tu m'auras pas. Merde. Oh, elle fait vraiment que ça, quoi. Insupportable. Comment ça? T'as dit que tu faisais que ça? Tiens, saute-toi.
Oh putain, le bouclier de merde. Oh le bouclier de merde. What? Mais qu'est-ce que... Putain, le bouclier qui me casse la couille. Il y avait un objet là. Allez hop. Oh merde, je suis dans la merde. Je vais mourir. Si jamais je réussis à rester vivant. Ouais. Non, là c'était ok, d'accord. Je me suis fait niquer. Je vais réessayer une deuxième fois avec Mario, et si jamais il faut changer, je changerai. Mais je peux le faire avec Mario, hein. C'est juste que je me suis laissé... Je suis totalement laissé... torturer au début. Ah, putain. J'ai failli mourir à cause de l'esquive aérienne. Voilà. Oh non. C'est insupportable. Putain, j'arrive pas à faire ce que je veux en fait. Putain, mais qu'est-ce que... Ouais, j'arrive pas à faire ce que je veux. Je sais pas si c'est à cause du type du perso. Parce que je sais pas vraiment ce que ça influe exactement, le type du perso. Parce qu'ils disent que vraiment ça fait un avantage et tout, mais à quel point ça fait un avantage ou un inconvénient, quoi. Ah, salope. Ouais, bah oui, forcément. En plus, c'est la attaque plus lorsqu'il y a des mal en point. À partir de 60%. Je réessaye une dernière fois avec Mario et sinon après je change, mais... je pense que je peux, mais c'est juste que je... J'arrive pas à faire encore ce que je veux. Mais oui, mais... Putain, mais la chope de 1 cm. Fous-moi la paix. Fous-moi la paix. Putain, ah ouais, elle est insupportable. En fait, elle est... Elle est ultra lisible, donc il faut juste faire attention à ça, mais elle est insupportable. Putain, mais elle a une super armure quand elle fait ça, sérieusement? Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié ça, l'histoire des esquives qui sont de plus en plus faibles. Aïe, 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 non mais je suis dans la merde. En vrai, je pense qu'avec Mario, je pourrais pas. En plus, Bayonetta, c'est un personnage que je déteste, vraiment. Mais oui, mais... C'est insupportable, le range de cette attaque. Le range de cette attaque est vraiment insupportable. Ok, je change de formation. Je pense que Mario, c'est pas fait pour ce combat. On va voir. Non mais c'est bien, hein. Je vous rappelle qu'on est en mode difficile. Hein. Je vous rappelle pour ceux qui arriveraient éventuellement, on est en mode difficile. Et généralement, Smash en mode difficile, ça déconne pas non plus à certains niveaux, mais... Ouais, on va... Ouais, mais avec qui je vais être bien? Villageois, Kirby, c'est de la merde aussi, hein, contre Bayonetta. En vrai, non, il faut que je... Non, je vais continuer avec Mario, parce que... Villageois et Kirby, je vais vraiment pas pouvoir. Hein. Peut-être au niveau des esprits résistance aux armes, je m'en fous, peut-être. Mais en même temps, le reste, je m'en fous aussi, hein. J'ai pas l'autre esprit, j'en ai quasiment jamais gagné. Hmm. On va lui donner à bouffer, écoutez. Hein. Allez hop. On va voir. Ça m'enchante pas trop de faire ça, mais... On va essayer. Je vais y arriver. Change d'esprit primaire. Ah ouais, c'est l'esprit primaire qui change de type, c'est vrai. C'est pas mon personnage, j'ai oublié ça. Yes. Ah mais là, ouais, elle vient en puissance, abusée. Oh putain, je déteste Bayonetta. Je déteste tellement Bayonetta. Putain, mais elle a la priorité surtout. Ça me rend fou. Putain, elle a la priorité sur tout ce que je fais. Ça me rend fou.
Elle a la priorité sur absolument tous mes coups, ça, ce truc-là, c'est incroyable. Ok, bon, je vais essayer de changer l'esprit, c'est, si vous pensez que c'est la solution, mais... On va voir si... Franchement, s'il y a une grosse différence, je trouve ça nul. Si ça fait vraiment une grosse différence d'avoir un esprit supérieur, je vais trouver vraiment ça nul. Mais bon, c'est pas grave. C'est le jeu, hein, c'est comme ça. Parce qu'au fumant, c'était pas mal. On va l'améliorer, par contre, le telling, hein, parce que... Quoi ? Mais... Voilà, ouais, mais qu'est-ce que... Ah oui, je me sens... Ok. Tout va bien. Ça va suffire, hein. On va voir la différence que ça fait. Si vraiment ça fait une grosse différence, je vous avoue que je suis un peu deg. Parce que j'aime vraiment pas, sinon. Enfin, je sais pas que j'aime vraiment pas, mais c'est juste que c'est... C'est un peu relou. Mais c'est quoi cette... Putain... Les priorités qu'elle a, c'est abusé. C'est abusé. Bayonetta est toujours aussi broken. Hein. Allez, casse-toi. Ouais, bah effectivement, le... C'est con, mais le type, ça change vraiment tout. Hein. Putain, ça change vraiment de ouf, en plus. Ça qui est terrible. Bon, un soutien de type pro, c'est pas mal, ça. Dégâts de poison réduits. Bah encore faudrait-il que j'ai dégâts de poison un jour, mais... Ok. Ok, bon bah c'est bon à savoir, lorsqu'on a vraiment un... Lorsqu'on a un esprit qui est pas du bon type, c'est vraiment chaud. Ça fait une énorme différence, ouais, je vois ça. Hein. C'est terrible quand même. Et puis en plus sur un personnage pété comme Bayonetta... Biorex ! Alors là... F0, ah ouais d'accord. Ah ouais, je pouvais pas connaître. Hein. La nourriture rend l'adversaire plus fort, certains objets apparaissent en grand nombre après quelques instants. Oula. Alors, on va prendre elle qui attire la bouffe. Comme ça, c'est moi qui aurai la bouffe et pas lui. Allez, c'est parti. Alors, Wolf, ça fait 1 milliard d'années que je l'ai pas combattu, du coup. Depuis Brawl, en plus, je l'aimais pas. Alors, c'est vous dire à quel point je ne sais pas du tout ce personnage sans potentiel. C'est un match 100%, ok. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les... Il y a les voitures. La voiture, hein. Merci pour la bouffe. Bonjour à tous, je suis Steve. Putain de jeu de merde. Le jeu est bon. À chaque fois qu'il y a de la bouffe, c'est pour moi. Putain, dès que je suis prêt pour envoyer ces trucs, là, on n'en voit plus, ce bâtard. Oh là là. Faut vraiment que je m'habitue aux mécaniques du jeu. Hein. Parce que comme je l'ai dit au début, les mécaniques sont différentes et ça fait encore très bizarre de changer de mécanique. Elles sont pas non plus trop différentes, donc ça va. Mais pour un mec comme moi qui est habitué à Smash 4 depuis maintenant... Depuis maintenant trop longtemps. Putain, victoire, j'ai 0% quoi. Et le truc d'attirer la bouffe, c'était vraiment, vraiment un bon choix. Hein. Biorex, donc niveau 1, puissance, ouais, ok. Il a une vitesse augmentée. Ouais, je sais pas si je vais l'aimer. Mais pourquoi pas. Bonjour. Bienvenue, Tizian le fan. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent encore depuis tout à l'heure. Hein. Des bisous. Il est quelle heure? La midi 41, ouais, on fera une pause dans longtemps. On a le temps encore. Ça va, du coup, pour le moment, ça vous plaît? Moi, personnellement, je suis en kiff. Hein. Oh. Eh bien, allons-y, tiens. On va apprendre. On va apprendre, qu'est-ce qu'on va apprendre? Est-ce que plus de puissance c'est sympa ou est-ce que plus de saut? Est-ce que ça coûte combien? Ça coûte quand même beaucoup. C'est quoi ça? Défense élevée si les dégâts sont bas. Quand vos dégâts sont inférieurs à 30%. Attends, c'est... Ah oui, ça veut dire que je commence le début. Je commence le match en ayant une bonne défense. Un peu nul. Enfin, pas nul, mais pas extraordinaire. Déplacement à l'atterrissage. D'accord. Ça réduit le lag. Permet de s'arrêter plus rapidement pendant la marche ou la course. Putain, c'est quoi ces trucs? Ah, c'est super précis. Bonjour à tous, bon, je suis Steve. On va augmenter son attaque. Hein. Salut, le potin. Tu,
peux nous montrer tes touches? Bah c'est... C'est la Medium Tube quoi, c'est les touches normales de la Medium Tube. Le A pour attaquer, le B pour les spéciaux, le R et L pour le bouclier, et YX pour sauter, Z pour la chope éventuellement, mais moi je me sers pas de ça, je me sers de R et A directement. Let's go, c'est quoi ça? Qu'est-ce que... Obstacle bloquant le passage. Si vous possédez un esprit capable de retirer l'obstacle qui se dresse devant vous, vous pouvez avancer. Si quelqu'un savait piloter le Wild Goose, vous pourriez emprunter le circuit. Ah, il faut que j'obtienne un esprit qui pilote le Wild Goose. Oh là là, oh. Smogogo contre Wario. Pas mal. Le stage est enveloppé dans un nuage de poison. Ah! Ça tombe bien. Ça tombe bien. On va utiliser notre ami... bah tiens, Baburex. Baburex, t'es là. T'es là, nous aussi, ça tombe bien. Et on va utiliser notre ami Jury, dégâts de poison réduits. Hein, c'est pas mal, ça. Tac, et bah toi, mange un peu. Hein. Mange un peu, nourris-toi, comme dirait grand-mère. Quoi. Mange, 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 mange. Ça suffira, oui, ça suffira, largement. Ça devrait le faire. Allez, let's go, Yowar. Attention, gros Wario. Hein. Je suis Steve. Il faut quoi pour jouer à la Medium Tube sur Switch? Il faut un adaptateur. L'adaptateur qui existait déjà sur Wii U, il marche toujours sur Switch. Bonjour à tous, je suis Steve. Ah oui, donc, ah oui, et bien sûr, Wario n'est pas... Wario n'est pas affecté par le poison, sinon c'est pas le rôle. Putain, par contre, l'ambiance Bonjour est stylée. À tous, je suis Steve. Ah mais putain, la grosse différence de... Putain, ça fait une sacrée différence, je suis déjà 80%. Putain, il est fort en bleu ce con. Putain, ça fait vraiment chaud. Oh, je vais crever encore. Hein. Ouh, je l'aurais pas apprécié celui-là si je me l'étais pris. Aïe aïe aïe. Je rappelle qu'on est en difficile. Hein. Oh bâtard. Aïe aïe aïe, non, non, non! Aïe aïe aïe, bah ouais, mais en même temps, j'avais 200% au bout d'un moment. Ok, ok, on va le refaire cette fois, je vais là-bas. Putain, mais ouais, on prend grave les pourcents! Putain, si j'avais pas Jury, ce serait horrible! Ce serait horrible si je l'avais pas. Salut la Lune Lock. Bon, ouais, cette fois-ci, on y va direct. Ah, mais d'accord! Qu'est-ce qu'il branle? Ah, mais oui, mais il m'esquive! Il m'esquive pour que je me prenne un max de poison, ce bâtard! Ok, d'accord. Bâtard. Allez hop. Voilà, je t'avais dit que je te boufferais là. Tu crois quoi, frérot? Attaque de feu explosive. Augmente la puissance des attaques de feu ou explosives telles que les boules de feu de Mario. Comme par hasard. C'est ça l'exemple. Ok, ça augmente la puissance de mes boules de feu. Ouais, bon, c'est pas comme si je m'en servais beaucoup après, hein. Je viens de... Qu'est-ce que... Objet désactivé. C'est quoi ça? On débloque des options pour le jeu? C'est vraiment... On débloque des options pour le jeu? C'est gentil, merci Gizmobilini. Merci pour le sub. Des gros bisous. Merci pour votre soutien. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Killer, il est pas content? De l'énergie de cette faille et vous bloque le chemin. Ah oh bah non, mais salaud. C'est quand même marrant que ce soit le mec de la lumière qui soit méchant pour une fois. C'est sympa. On peut pas passer par... On peut passer nulle part, en fait, on peut rien faire. Pico. Attends, je vais essayer de deviner d'où ça vient. F0 encore? Non. Si, si, F0. L'adversaire est équipé d'un pistolet laser amélioré dès le début du combat. Ah oui, un pistolet laser amélioré, quoi. Carrément. Ok, bon, Biorex. C'est pas contre toi. Un peu quand même. On va réutiliser notre ami Trombone. Poison, on s'en fout. Je résiste aux armes. C'est pas mal ça, résister aux armes. Le poison, on s'en fout du coup. On va tirer les objets. Allez hop, là c'est sympa. Là, Bowser. Bowser va passer un mauvais moment. C'est l'ainsi. Beaucoup de F0 sur sa troupe de base. C'est peut-être la route spéciale là-dessus après. Hein.
Bah d'accord. Il en est équipé, mais je peux l'en déséquiper. Ouais, et puis en plus, Mario contre Bowser, c'est mon match-up, hein, ça... C'est mon match préféré. Allez, casse-toi. Là, pour le coup, fallait pas me la faire de... Pico, ah, il a déjà 1500 de puissance dès le départ. Pas mal. C'est New Senpai. Il augmente la vitesse, lui aussi, forcément. Hein. Comme tous les personnages de F-Zero vont faire ça, je le sens. Tandis que niveau 52... Incroyable. Constituer une équipe forte face à un adversaire est une approche sage, mais vous gagnerez davantage de récompenses si vous triomphez avec une équipe faible. Oui, je suis au courant. Appuyez sur le bouton Y pour composer automatiquement une équipe d'esprit spécialement taillée pour le combat. Oui, bon, après... oh. Pas non plus me prendre en pareil, Jumbo. Ce vol du pistolet, bah oui. On va pas respecter Bowser, et puis quoi encore. Ah, on peut aller par là. Nickel. Nice. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va débloquer? Lucario. C'est pas mon personnage favori, j'aurais préféré Mewtwo, hein. Tant pis. Let's go. La formation. Alors, je veux juste faire un truc. Option. Ah, on peut changer difficile à tout moment, si jamais on se chie. Sauvegarder. Ok. Et on peut revenir sur le menu normal? On n'a pas de... On nous propose pas de retourner sur le menu normal du jeu? Attends, c'est sérieux? On nous propose pas de retourner sur le menu normal du jeu? Bah, qu'est-ce que... Ah d'accord, faut juste rester appuyé sur B. Le con. Parce que je veux voir juste un truc. Est-ce qu'on a débloqué les personnages, là? Ah! Voilà, il faut que je débloque ça. Il faut que je débloque des personnages aussi, de temps en temps. Donc il faut que je pense toutes les 10 minutes environ à débloquer un personnage. Parce que bon, tout à l'heure, je vais avoir un tournage avec les copains de Need Backup. Et ce serait bien que j'ai débloqué des personnages comme d'ici là. NS, salaud. Ce que j'aime bien, c'est que de base, il me met avec Mario, le con. Le manque de respect total pour ce NES. Allez, NES fait son entrée. Oh, vous avez même pas mis de jeu de mots pour les personnages? Oh, je suis triste. Mais au moins, c'est stylé. Nice. Bam, 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 bam. Mabon. Ah. Et des encas moyens. Ah bon, nickel. Macaon. Ah, mais on obtient plein de trucs. J'aurais dû quitter avant. Qu'est-ce que... Pourquoi vous me donnez... Oui. Oui, c'est... merci de m'avoir donné une image. C'est gentil. Vous avez joué au mode aventure pour la première fois. Ah ouais. Et t'inquiète pas que je vais recommencer. Du coup, je veux juste voir vite fait. Qui est-ce qu'on a? Peu importe. Peu importe, j'ai dit. Alors, ouais. Ah oui, oui, donc... oui, ah, ok. J'ai débloqué le villageois grâce au mode aventure. Donc là, ça veut dire que j'ai débloqué Lucario aussi. J'ai débloqué Ness comme ça, donc ok, super. Donc c'est bon à savoir, on va débloquer pas mal de personnages. Faut que j'en débloque un maximum d'ici 14h30-15h. Ok, ok, c'est cool. À 13h, tu dois le refaire, ouais, c'est ça. Toutes les 10 minutes. Toutes les 10 minutes, faut que je refasse ça, histoire de débloquer les personnages. Alors, peut-être t'es un petit peu trop loin dans le quittage de mode. Allez, go mode aventure. Let's go. On va continuer. Et moi, là, biaiser les 10 minutes de personnage en quittant et en jouer, oui, mais on va pas faire ça en stream, tu vois, c'est pas super drôle de faire ça en stream. Mais oui, effectivement, si vous voulez débloquer un maximum de personnages, dès que vous avez débloqué un personnage, vous quittez le jeu, vous relancez, vous faites un match, et vous allez débloquer un autre personnage. Et vous pouvez faire comme ça pendant très longtemps. Lucario, après, est-ce que je suis censé avoir Lucario? On peut pas choisir un autre personnage que Lucario? Non, parce que si c'est pour me bloquer la route encore juste après et que je puisse pas débloquer un autre personnage qui m'intéresse... Vas-y, conduis. Vroom. Ah oui, d'accord, ah, carrément. Blaze la Braise. Allez. Ah mais oui, c'est le personnage dans le vieux jeu tout pété, là. Dans le vieux jeu tout pété sur la 3DS. Oh putain, qu'est-ce qu'il va faire? Tous les combattants sont plus rapides, mais ont du mal à s'arrêter. Ah ouais, il va avoir la bougette. La bougette. Oula. Je suis trop équipé pour lui. Que des numéros 10 dans ma team. Je relève le défi. Salut, Latif. Blaze la Braise. C'est rigolo. Ouais, il fait rire, ce personnage.
Ah mais ils sont trois. Ah bah ça. Ça match vie. Ok. Vitesse incontrôlable. Quoi? Calmez-vous. C'est chaud quand ils sont trois quand même. Heureusement qu'ils sont pas très forts. Ah ouais, ils vont si vite. On va essayer de les laisser se... Oh là ! Ah oui, moi aussi, je suis... Ah oui, moi aussi, je suis très rapide, en fait. Je les laisse se suicider, hein. Dit-il en se suicidant. Oh, bâtard, Sonic, bâtard. Ah, le con. He's going too fast. Allez, casse-toi. Ah, il a les yeux rouges, il prend de l'héroïne, regardez. Les enfants, prenez pas de drogue. Sinon, vous serez comme Sonic. Un hérisson. Mais viens là, que je te chope. Casse-toi. Si jamais Sonic me sort du stage, je peux être... Ah. Voilà, les enfants, ne prenez pas de drogue, sinon vous finirez comme Sonic. C'est les couffons. Blaise la braise. Impact en pleine course. C'est quoi, j'ai pas vu. Ah, il fonçait sur l'adversaire, lui fait mal. Ah, c'est pas mal ça, en vrai. C'est rigolo. C'est rigolo. Avec Sonic, c'est pas mal. Effectivement, avec Sonic, c'est pas dégueulasse. D'accord. Sonic tombé dans l'héroïne depuis Sonic Adventure 1. Bref, j'ai envie de dire depuis tout ce qui sort depuis 10 ans. Il valait mieux qu'ils prennent de la drogue pour s'en sortir. On a 1000 routes. On peut faire un chemin rapide comme ça. Et faire le reste juste après. Hein. Moi, je veux débloquer les personnages. Alors, Fox. L'adversaire est équipé d'une ceinture fusée dès le début du combat. Ah, c'est pas sympa de tricher. Par contre, les gens sont faibles ici. Comment ça se fait? Bah écoute, moi je reste là, je reste là-dessus. En fait, je devrais prendre Evoli, histoire de l'entraîner. Histoire d'entraîner Evoli pour qu'il puisse évoluer en Pikachu. Je connais Pokémon. J'ai déjà joué sur la Nintendo PSP. Mais, oh là là, oh mais la portée de Mario, elle a diminué un peu ou quoi? Ou alors c'est vraiment moi qui ai un très mauvais sens des... Ah oui, c'est vrai qu'il triche. Salaud. Bah oui, mais faut... Ah, le con, il est bête, hein. Je crois que je vais sauver la life, je suis pas sûr. C'est vrai qu'on peut charger ces trucs super longtemps, maintenant. Ces smash, on peut les charger pendant 10 minutes, environ. Ah! Un acte regrettable. C'est pour moi. Comment ça? Quelle indignité. Allez hop. Ça passe. Si vous attendez qu'on fasse des matchs contre les gens, sachez qu'on en fera vers 14-15 heures. Je vais faire un tournage avec Nick Backup. Ça va être plutôt marrant normalement. Je vais leur poutrer la gueule, hein. On va pas se mentir. Mais avec plaisir. Avec beaucoup de plaisir, avec des objets, avec pas mal de conneries. Ça risque d'être assez drôle. Donc soyez là vers 14-15 heures si jamais ça vous intéresse. Et dans la soirée, je ferai certainement des matchs aussi avec des gens. Avec des poteaux. Et pour les matchs avec les viewers, ce sera plus tard. Vraiment, lorsque j'aurai un peu plus maîtrisé le jeu, et vous aussi. Lorsque j'arrêterai de faire des erreurs débiles à chaque mouvement que je fais. Voilà, on va prendre Evoli. Ah oui, il est quand même niveau 4100, là. Il est niveau 4100, ce bâtard de Megaman. C'est pas grave, je relève le défi. Équipé d'une ceinture fusée, ça m'intéresse pas. J'aime pas ça. Augmente un peu la puissance d'attaque de feu. Elle fait quoi, là? Équipé d'un sable de lip. Oh, c'est pas mal, ça, en vrai. C'est pas mal du tout. Ok. J'affronte Megaman en ayant très peu de... Ça, juste ça, est trisé. Ouah, mais bah, ça. Bonjour à tous, je suis Steve. Allez, hop. Je reste là, si ça te dérange pas. Bonjour, je suis la lâcheté. Non-respect total pour Megaman. Allez, casse-toi. Mighty Gazelle. Je sais même pas d'où ça vient, mais on est content pour lui. Hein. On est content pour lui qu'il soit dans Smash Bros. Coucou lui, ça va bien? Alors, ce mode histoire, cool ou pas? Très très cool. Très très sympa pour le moment. Ça donne des matchs assez rigolos. Oh oui! Oh oui! Oh oui! Oh putain, oui, quel plaisir. Quel plaisir.
Alors, par contre... Evoli, continue, oui. Oh, quel plaisir. Bonjour à tous, oh. Je suis Steve. I want Captain Faucon. Salut, Chorus. C'est ça? Ouais, c'est ça. Remporter la victoire pour secourir le combattant. Oh, je te secours tous les jours. Ok. Ah, oh, bâtard. Ah, j'ai fait le bait. Ah, il joue pas mal. Il joue pas mal. Il est moins con que les autres. Ah, oh, il y a la juge Final Smash qui est activée. Oh, bâtard. Ah, il est pas mauvais. Il est pas mauvais. Nice. Nice, nice, nice. J'aime bien. J'apprécie. Je l'ai pris à la légère au début. Je ne referai pas les... je ne ferai pas la même erreur. Putain, il sait pas ce qu'il fait, hein. Il est rebou. C'est marrant, on a les mêmes objets qui apparaissent. Oh. Aïe, 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 aïe. Putain, ce sceptre... Putain, ce sceptre, il aura causé ma perte, quoi. Mon pote, Captain Falcon is here, mon pote. Allez, ça fait plaisir et beaucoup de talent encore une fois, comme vous pouvez le constater sur l'écran. Ah, c'est ça qu'on veut. J'ai eu peur qu'il esquive, ce bâtard. Et puis après, je me suis dit, mais s'il esquive, il est mort. Il pourra pas revenir sur le terrain, c'est l'esquive. Et oui. Oh, le plaisir. Du coup, on a Jacques Levin. Bonjour, Jacques Levin. On peut avoir Lucario encore, du coup. Oh bah, let's go pour Lucario, hein. Remporte la victoire pour secourir le combattant. J'ai pas peur. J'ai pas peur, Mario. Même. Sauvegarde et check sur le menu principal. Non, vous inquiétez pas, je ferai ça après Lucario. Ah, pas de ça. Ça combotte plus de faire prise vers le bas. Je suis deg. À moi, ça. Vas-y. Allez, hop. Ça fait plaisir, les matchs qui se terminent pas en 2 secondes. Ah merde. Ah oui, c'est vrai, mes attaques de feu sont plus fortes. Vas-y, prends-toi la mine. Allez, hop. Et on a débloqué un autre personnage, c'est Bulgy. C'est pas comme si j'allais le jouer par contre lui, mais... Au moins, quand j'aurai des potes à la maison qui jouent Lucario, ils pourront prendre Lucario. Écoutez, voilà, il faut penser aux autres des fois. Attention au pouvoir de l'aura, oui c'est vrai. Plus il a d'aura, plus il est puissant. Plus il a de pourcentage, plus il devient fort, mais vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas pour ça. Oui, allô. Oh, et qu'est-ce qu'il a fait encore, Killer? Non mais si t'as le somme, c'est pas mon problème aussi. Si t'es mauvais, t'es mauvais. Oula. Oula là, je pense qu'il a amené un boss sur le terrain. Elle est immense, la map, c'est génial. Il va y avoir tellement de choses à faire. Je pense qu'on est là pour 10-15 heures facile. Hein. Même en rochant, je pense. Hein. Allô? Ah, c'est bon. Ok. Oh, trop content, beaucoup trop content. Alors, je peux avoir des trucs. Attaque sur bouclier. Augmente les dégâts infligés au bouclier adverse. Oh, pas mal, ça. C'est quoi, ça? Augmente l'efficacité des objets de soins. Ça peut être pas mal. Rétention de smash chargé. Garde les attaques smash chargées tant que vous maintenez le bouton.
Oui, alors on va pas faire ça non plus toute notre vie, c'est un peu chiant ça par contre. Rend le bouclier plus résistant. Oh oui. Tout de suite. Smash Bros. L'open world. C'est un peu le cas en vrai. Hein. C'est cool, je suis trop content. Sauvegardons et allons débloquer un autre personnage. Voyons voir, qu'est-ce qu'on va débloquer? Si on débloque un truc, hein, c'est pas dit. Ah, oh, c'est Zelda si je me trompe pas. Une silhouette approche, on va débloquer une silhouette. C'est bien jouer avec une silhouette. Allez hop. Ah, Zelda, j'espère que t'es pas trop dur. Sois gentil avec moi, hein. T'es pas ma princesse, mais Oula. Oula, on parle de manque de race, hein, direct. Ouais, non, elle est gratos. Elle est full gratuite. Qu'est-ce qu'elle fout? J'ai cru qu'elle allait les roll, écoutez. Allez, comment ça? Quelle indignité. Casse-toi! En même temps, j'ai pas choisi le meilleur endroit du stage, là. Attends, on va remonter. Vas-y, viens, là. Viens, ma grande. T'es sérieusement? Ils sont toujours aussi diminués en taux. Toujours aussi diminués en taux, les ordi niveau faible. Hein. Par contre, j'ai pas le droit de faire ça et de me faire battre. J'ai pas le droit de dire ça et de me faire bolosser juste après. Vas-y, viens. Allez, ma grande, là! Désolé, mais ton héros est dans un autre château, hein. Ah, merci Zelda. En tout cas, ça par contre, j'aime bien. Ça, c'est un personnage que j'aime bien. En plus, j'adore ce nouveau skin. 2000 gold loose, comme ça. Est-ce qu'on peut le transformer en vrai argent? Pas mal, la petite photo, j'aime bien. Salut, Soussou, sans Early. Bienvenue à tous les nouveaux, hein. Des gros bisous. Bienvenue à ceux qui viennent de YouTube. N'hésitez pas à passer pendant les autres lives, hein. On fera du Smash Bros pendant toute l'année, à mon avis. Let's go, hein, on continue l'aventure. Il est quelle heure? 13h, on va bientôt faire une pause, mais pas tout de suite. On va encore débloquer un personnage. Dans un personnage, on fait une petite pause. Et on continuera le mode aventure tout de suite, hein, vous inquiétez pas. Est-ce que le nouveau layout marche bien, du coup? Le dernier sub, c'était bien Gizmoblini? Parce que j'ai pas pu tester depuis, hein. Quelqu'un veut faire un don de plus de 1000 bits pour tester? on avait tous les bloqués par là? Je me souviens plus. C'est quoi, ça? Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'on débloque, là? Jacques Levin. Allez, Jacques Levin, c'est parti. Niveau 3, hein. Oh, 8800. Oh, ça c'est un... Ou ça me dit. Oh, j'ai envie de tester. Ah oui, mais Ken avec 3 entraîneuses Wii Fit. L'adversaire dispose tout à coup d'un smash final. Des renforts arrivent durant le combat. À mon avis, je vais pas pouvoir l'avoir tout de suite, ça. Mais on va essayer une fois. On va essayer une fois, mais je crois que c'est mort. Je crois que c'est mort. Je crois que c'est compliqué, hein. Surtout que Ken, bon, après, c'est Ryu, hein. Oh là là, il... Utilise ton smash. Ouais, mais il a des renforts, c'est dégueulasse. Il a raté. Ah non, mais ils sont relous. Hein? Mais qu'est-ce que je fais là? Comment je me suis retrouvé là? J'ai rien compris. Non, allez, plus tard, hein. Plus tard, il est clairement pas à mon niveau pour le moment. Wow. I didn't understand what was happening, hein. Je suppose que là aussi, ça va être chaud. Moto Exit Beak. Oh non, lui, c'est jouable. L'adversaire privilégie les attaques spéciales côté. Oh non, mais quel enfer. Oh, ça va me saouler. En même temps, c'est aussi Evoli qui est mauvais, hein. Mais bon, Evoli, je veux qu'il évolue. Il s'appelle Evoli, hein. Tu t'es pris la bite en bois. Ah, c'est ça. Bon, est-ce que je vais arriver à celui-là? Est-ce que je vais y arriver? Insupportable. Ils sont insupportables. C'est insupportable, au secours! Au secours! C'est trop drôle. C'est trop drôle, mais c'est vraiment insupportable, par contre. Je suis sur le point de me donner la mort, là. Oh là là, quel enfer! Allez hop, ça dégage. Bonjour à
tous, je suis Steve. Putain, je tire leur moto. C'est drôle, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Au secours. Tu as crevé, oui? Voilà. Il faut être prudent dans la vie. On voit pas la vie. Ouais, quand il y a beaucoup de personnages comme ça, j'y peux rien. C'est pas censé arriver souvent, mais ça peut arriver de temps en temps. Et je vais pas faire un layout spécial pour lorsque la vie s'affiche tout en bas à gauche. Ça peut arriver, mais ce sera vraiment quasiment jamais. D'accord? C'est pas grave. Le solo doit quand même être pas mal redondant, je pense. Ah bah après, c'est comme le solo de Brawl, hein, j'ai envie de vous dire. Le solo de Brawl, il est très bien la première fois que tu le joues. La deuxième fois, tu joues en mode deux joueurs, à la limite, c'est sympa. Mais la troisième fois, moi, j'en pouvais plus. Hein. Troisième fois, j'étais en PLS. J'avais envie de mourir. C'est possible que j'exagère, mais... Gyroïde ou Merrick? Ah ouais, Merrick, hein. Fire Emblem, oh, Darren, je veux tellement le débloquer, Darren. Ok, on y va. Il est quelle heure, 13h08? Allez. Je pense qu'après lui, on pourra débloquer un nouveau personnage. On garde Evoli, je veux qu'Evoli devienne plus fort. J'ai pas eu par contre la particularité du combat. Les attaques magiques de l'adversaire sont renforcées. Aïe aïe aïe. C'est bien dommage vu qu'il a que des attaques magiques. Oh le bâtard. Oh putain, ça fait si mal. Il est bourré. Salut. Comment ça? Comment ça? Ah ouais, il faut que je fasse mes touches. Il faut que je fasse mes touches pour pas que ça arrive à nouveau, ça. Putain, il m'annihile avec ses attaques magiques. Depuis tout à l'heure, à chaque fois, il reprend ma vie. Il l'utilise bien, n'empêche, hein, cette attaque. J'ai encore beaucoup à apprendre sur ce jeu. Quel salaud. En plus, il spam, quoi. Oh, salaud. Oh, putain, j'en peux plus. Il va me saouler. Ah, les adversaires qui spam, c'est horrible. Oh, le bâtard. Je devrais juste me... Bonjour à tous, je suis... Non ! Je me suis trompé ! Je voulais pas faire ça. Move de génie. Laissez l'adversaire se suicider. Move de génie. Ah, je l'avais prévu. Bien sûr, je le savais. Ah, oh, bravo. Ah là 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 là. Quelle ingénuité. Bon, et eh ben écoutez, pas mal, hein. On va débloquer qui cette fois? Qu'est-ce que c'est que ça? Oui. On a un bumper. On peut passer par là, on peut pas passer par là, d'accord. Ah, beaucoup de choses. Ah, on a un coffre à débloquer. Cupidon, d'accord. On va voir ça après. Encore une fois, on va sauvegarder. En tout cas, ça va. Hein. Pour l'instant, je m'amuse bien. Je suis très content. Pour l'instant, c'est rigolo. Ça fait vraiment plaisir. Oh là, quel plaisir. Ah, oh oui. Oh oui, Bowser. Bowser, my man. Ah, si celui-là, je le perds, je vais très mal le vivre. Oh oui, Bowser, viens là. Oh, elle a changé son attaque neutre. Enfin, c'était son attaque neutre ou pas, non? Ah non, c'est son BO. Ah, il a un peu changé. Il couvre une plus grosse surface, on dirait. Qu'est-ce
Qu'est-ce que vient faire mon personnage? C'est absolument pas ce que je lui ai demandé de faire. Ok mec, salaud, il va aider son patron. Eh ben non. Tiens, mec, attends, on va le tuer. On peut pas. Nice! Bowser fait son entrée. Et bientôt le plat, et ensuite le dessert. Ah, énorme. Énorme, énorme. J'adore l'humour. Si vous aussi vous aimez l'humour, n'hésitez pas à en user. Tableau des esprits, on n'a jamais fait ça. Ah oui, mais c'est... Ah oui, si on peut faire des combats spéciaux pour gagner des esprits, non? Pas une merde dans le genre? Tableau des esprits! Roi Shaq. Je sais même pas qui c'est. Ah si, je sais qui c'est en plus. Oui, dans Wario Land, bien sûr. J'ai pas joué à Wario Land, mais je savais qu'il existe. D'accord, bon, je ferai ça un jour, hein. Je le promets. Ok, très bien. Bon, on va faire une petite pause de 3-4 minutes. Restez là, on continue juste après. Des bisous YouTube. La VOD suivante arrivera dans même pas 24 heures, je pense que je vais faire 2 VOD Smash par jour, histoire que tu puisses te mettre au yimbe. Nous, du coup, on se retrouve dans 3 minutes sur Twitch. Des gros bisous, abonne-toi à YouTube. A tout de suite tout le monde. C'est parti.